J'en ai vu une tourner. Je pense qu'elle m'a fait un refus. Ben voilà. Et bonjour à tous et à toutes, c'est le Moucheur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Toute la semaine dernière, on était en canicule. On va pas se mentir, c'est pas le mieux pour pêcher, hein, ça c'est clair et net. Enfin, il a plu toute la nuit. Les eaux ont bien monté, elles sont toutes troubles. Donc, on va dire conditions idéales pour pêcher, surtout au toc, à la pas naturelle. Donc moi, je vais pêcher au vert. Donc comme je disais, conditions idéales pour attraper de la truite, pas n'importe lesquelles. On va essayer de faire de la grosse. Nous sommes dans les gorges de la Dunière sur un parcours que j'ai déjà fait dans une de mes toutes premières vidéos. Aujourd'hui, les conditions sont idéales pour pêcher au toc, car les eaux sont troubles et très riches en nourriture, pour des truites sortant à peine d'une période d'étiage. Cependant, parcours technique, car aucun moyen de savoir le fond présent dans les courants, donc le meilleur conseil que je puisse vous donner est de pêcher à vue et à l'instinct. Ah bah. Raté. Elle m'a fait une touche de taré celle-là. Bon, elles me font des très belles touches. Ça mord, elles sont très agressives, tout va bien. J'aimerais bien en faire une belle. Alors celle-là, elle est pas grosse, mais elle m'a fait une touche de dingue. Ah ouais, même gabarit. Elle est belle. Très 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 beau poisson. Pris juste au bord. Tac. Et hop. Alors là, c'est passé. S'il y en a pas une, je m'appelle pas le Moucheur. Hein. C'est magnifique à pêcher là. Ah, ce que je disais. Oula. Oula, regardez, je l'ai pris sur le flanc. Un petit piercing, une toute petite truitelle qui est monté sur mon verre sans problème, qui m'a fait une touche de dingue. Bon, c'était pas la truite recherchée, mais on va y retourner, on va voir s'il n'y a pas sa grande sœur, son grand frère ou même sa grand-mère. Je suis preneur. Là.
Bon, ça c'est plus joli ça déjà. Comme vous voyez, hein. Tout à peu près le même gabarit, hein. Hop, une vingtaine de centimètres. Un peu moins, 19, 18. Hop là. Très très vive. Ça fait plaisir ça. Comme vous l'avez peut-être remarqué, certaines truites sont piquées au bord des lèvres, mais certaines avalent immédiatement le verre et l'hameçon. Si cela vous arrive, ne tirez surtout pas sur le fil pour récupérer à tout prix votre monture. Vous allez abîmer la truite et la faire saigner. Une truite qui saigne, c'est une truite condamnée. Coupez le fil au ras de sa gueule en laissant l'hameçon à l'intérieur. Cela n'empêchera pas du tout la truite de se nourrir et de vivre correctement. De plus, elle arrivera d'elle-même à rejeter l'hameçon au bout de quelques jours. Donc amis pêcheurs, prenez votre mal en patience et refaites votre monture. Après tout, c'est le jeu. Ah, elle descend le courant. La pluie est là. On comprend pourquoi l'eau est teintée, hein. Donc regardez sous le pont, l'eau qui tombe du pont. L'eau qui tombe du pont. Bon. On va se dire au revoir ici, je crois. Je suis trempé jusqu'aux os, donc je vais rentrer me mettre à l'abri. La pluie me dérange pas, c'est juste... Il y a le tonnerre un petit peu, donc canne en carbone plus orage, c'est pas bien conseillé. Donc voilà, de toute façon c'est la fin du parcours, le dernier trou au-dessus. Au-dessus de ce trou, on n'est plus dans les gorges. J'ai pas fait la grosse truite tant attendue, mais bon... je vais pas me plaindre, hein, j'en ai fait... j'en ai fait plus d'une douzaine, j'en ai raté 3 ou 4 autres. On voit pas le fond là, regardez, mes pieds. On voit pas mes pieds dans l'eau. Alors que j'en ai juste aux chevilles. Donc c'est un peu compliqué, mais bon. Ça fait partie de la pêche en tout cas. Des truites très 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 agressives qui j'ai dû couper 2-3 fois ma monture dans la gueule de la truite parce qu'elle l'avait engammée en moins d'une seconde. Pourtant je les laisse pas bouffer. Hein. Je vois la touche, ça sort. Elles étaient très très voraces, elles étaient toutes à peu près calibrées. Hein. Je pense que dans l'eau, il y avait une ou deux de maillet. La maille ici est 23. Si je dis pas de bêtises, soit c'est 20, soit c'est 23. Il me semble que c'est 23 cm. Quoique c'est peut-être 20. Ça fait bien longtemps que j'ai pas ramené de truite. Donc vous me connaissez, j'ai tout relâché. Donc je pense qu'il y en avait une ou deux de maillet. Sinon tout le reste, c'était aux alentours de 18-20 cm. Non, super cool, super programme, super parcours. On s'est pris la pote pour finir, ça faisait longtemps, ça fait du bien, ça fait plaisir. Encore un petit peu d'eau qui vont ralimenter un petit peu ces rivières qui étaient en période d'étiage et très 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 sèche. Là, ça faisait un mois où c'était compliqué, ça devenait même critique. Donc
Donc très très bonne nouvelle. Vous voyez, donc on était dans la Dunière, rivière très 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 poissonneuse. Donc voilà, sur ce, c'était le Moucheur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Continuez à vous abonner parce que de jour en jour, la chaîne grandit. Ça, c'est super cool. J'attends les 200 abonnés. Objectif 1000, un nombre à 3 chiffres. Donc, let's go, éclatez le bouton de s'abonner, éclatez le pouce en l'air et surtout, bah, oubliez pas le plus important. Allez, à la pêche !